Ça. Tu as fait comment pour avoir mon numéro? Maman, je t'ai dit que le jour là, quand il manquait deux chiffres, je t'ai dit que j'ai fait des combinaisons pendant une semaine. 75, 25, 0. Jusqu'à ce que tu tombais même sur une femme qui m'a menacé. Ah bon? Oh, mais j'ai dit, qu'est-ce que je peux pas faire pour toi? J'ai dit, insultez-moi, madame, je sais qui je cherche, c'est pas grave, c'est pas vous, c'est pourquoi vous m'insultez. Non, mais c'est ma tante qui a tout gaspillé, ma tante, elle a des problèmes. Tu sais, moi, c'est des trucs de famille, là, j'ai même eu envie d'arrêter. C'est un service que je lui rends, c'est un service que je lui rends, parce que normalement, le deal qu'on avait, c'est que je travaille pendant 2 ans et la voiture me revient. J'ai travaillé 2 ans et demi. Jusque-là, il vient continuer, oh, maman, comme tu entends là, va, prends la clé, non. Non, je dis, hé, tu as vu, non, pas de long, on voit ça que bon, c'est elle qui appelle. Oui, allô, tantine. Ouais, je suis en train de travailler là, je conduis. Je suis dans les bouchons. Ouais, faut me rappeler. Je vais passer, tantine, je vais passer. C'est moi qui t'ai dit ça, je vais passer. Ok. Mais si tu n'avais pas besoin de mentir, moi je n'aime pas les menteurs. Hein. Non, moi je ne suis pas un menteur, mais ma tante, enfin, elle est folle. Elle est folle. Ah bon, hein? Non, il faut lui dire des choses comme ça. Dans toute la famille, c'est que vraiment elle est... Bonsoir. Ah, comment t'es prête? Donc elle est folle, hein? Merci. Allez. Bonne journée. Oh, monsieur, bonsoir. Bonsoir, tante. Mais je t'ai appelé au téléphone, là, tu m'as dit que tu étais dans les bouchons. Oui, j'étais dans les bouchons tout à l'heure. Hein? Oui, ça se voit. Tu es vraiment dans les bouchons. Il y a combien de bouchons, là? 1, 2, 5 bouchons. Tu es vraiment dans les bouchons. Non, je venais... Oui, même... je sais. Ça, là même, il n'y a rien à dire avec toi. Madame, tu as toujours à dire. Laissez un peu le monsieur tranquille. C'est comment? Non, c'est... Non, oh. Monsieur. Oui, madame. Ça, là même, je ne m'occupe pas. Toi, c'est mon problème. Ça fait 2 semaines. Oui, là, Deux semaines. Là, je vais maintenant pardon, passer. Je sais déjà que tu m'as pardonné. Je sais, toi, tous les jours, tu passes. 2 semaines. Tu m'es venu me demander pardon la dernière fois que t'as dit donne-moi la clé, j'ai pris la clé, je t'ai donné. Oui. 2 semaines, tu as encore disparu. Tu ne viens même pas me donner la recette. C'est quoi le problème avec toi? Non, comme madame est malade là. Oui, je sais, madame est malade avec toi. Tu te justifies pourquoi? Mais c'est tu as déjà travaillé pendant 2 ans, la voiture te revient. Tu te justifies encore? Tu as travaillé 2 ans chez moi. Ça ne fait même pas encore 1 mois que tu travailles chez moi. Ça fait, donc ça a fait 2 ans. Donc non, ma voiture te revient. C'est ça que tu dis. C'est ce que tu dis aux gens. Que moi, ma voiture là, tu as raison. Tu as vraiment raison, la voiture te revient parce que non seulement la recette, je ne vois pas. Même ma voiture, même je ne vois même pas. Tu as raison. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est même pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Tu as raison de faire ce que tu fais. Regarde, mais il faut parler, il faut parler. Hein? Je veux parler quoi? Tu t'occupes d'une folle comme ça. Non, tu me dépasses quoi. Quand je t'occupe de ta faute, sinon, je ne suis jamais de toi. Tu es folle. Il faut m'arranger ça. Moi je suis folle. Toi, tu es malade. Je suis folle. Donc non, tu dis aux gens que moi je suis folle. Donc moi je te parle de ma voiture. Tu dis que moi je suis folle. Tu dis que ma tante est folle. Folle quand même. Monsieur, votre facture. Merci pour le pourboire. Hein? Quelle facture? Donne-moi celle-ci. 19 500 avec mon argent, madame. Comment il a fait pour dépenser ces 19 500? Lorsqu'ils sont arrivés, il a offert à boire à tout le monde et ils ont mangé aussi. Avec mon argent. Toi-même, c'est pas la peine. Donne-moi la clé de ma voiture, pardon. Donne-moi la clé de ma voiture. J'ai dit, donne-moi la clé de ma voiture, j'ai pas envie de parler avec toi. Donne-moi ma voiture, je ne vois pas. Donne-moi l'argent, je ne vois pas. Tu me diras, c'est quoi le problème? Donne-moi la clé de ma voiture. Je dois appeler les médicaments. Donne-moi la clé de ma voiture. Tant que tu es maudit. Je dois appeler les médicaments. Pardon. Ok, c'est pas grave. Je remets ça entre les mains de Dieu. Ma femme est malade, je dois travailler pour les médicaments. Tu prends la clé de la voiture, c'est pas grave.